Laurence Boccolini, très présente sur les réseaux sociaux, n'aime rien tant qu'échanger avec ses fidèles abonnés. Mais lorsque Lundenter dérape, l'animatrice n'hésite pas à sortir les griffes. L'internaute qui s'y est frotté sur Instagram ce 9 février sait désormais à quoi s'en tenir. Laurence Boccolini plus suivre ne plus suivre cesse de belle humeur que Laurence Boccolini est arrivée sur Instagram ce mardi 9 février avec encore en tête l'enregistrement d'un nouveau numéro de son émission Carte Blanche à l'humour les comiques préférés des Français. Sous deux clichés où elle apparaît dans une robe scintillante, l'animatrice a remercié en légende les artisans de ce probable succès d'audience à venir, la pénombre des coulisses. Merci à nos invités hier soir Laurent Gérard, Muriel Robin, Elie Semoun et tous les autres. Quelle soirée! La maman de Willow a également tenu à remercier la production et ceux qui s'occupent de la mettre en valeur et qu'elle surnomme affectueusement la Glam Squad. Mais ce message chargé de bienveillance et de joie de vivre naguère séduit un internaute qui s'est immédiatement chargé de rafraîchir les températures dans la section commentaires. Ridicule a-t-il asséné sans plus préciser sa pensée. Effet boomerang, de nombreux abonnés ont cherché à comprendre quelle mouche avait piqué le malotru, tout comme Laurence Boccolini, un peu sidéré, ridicule. Qu'est-ce qui est ridicule sur cette photo? Mon travail? A-t-elle demandé. Madame est vexée, s'est ensuite amusée l'internaute qui a ensuite lancé que ses géraniums étaient mieux que l'animatrice. Une affirmation qui n'a fait le bonheur ni des abonnés de l'ancienne gagnante de Masque Singer, ni le sien. Traité par les uns des hypocrites et de vieux machins, il a finalement été remis à sa place par la maîtresse des lieux. Alors on va arrêter là vos âneries. Allez passer vos nerfs sur quelqu'un d'autre et arrêtez d'être désagréable avec les gens qui me suivent. Votre aigreur et votre méchanceté, elles, sont ridicules. S'est emporté Laurence Boccolini qui s'est tout de même offert dans la foulée un second round, ridicule quoi? Ridicule qui? Vous vous êtes levé ce matin en vous disant tiens je vais déverser un truc sur Instagram, on verra bien. Ridicule, si au moins vous aviez l'intelligence, le vocabulaire, pour nous expliquer ce que vous trouvez ridicule, ça nous aiderait bien car visiblement nous sommes beaucoup plus bêtes que vous, non? Donc mettez-vous une pile et étayez votre argument d'aujourd'hui, ridicule oui mais encore? Ok, merci pour nous tous. Quant à me vexer, cher monsieur, vous n'en avez ni le pouvoir, ni le talent. Et joyeux Noël Thérèse, a-t-elle conclu sous les applaudissements virtuels de ses fans. Et bim, view this post on Instagram a post shared by Laurence Boccolini, @loloboco.